Les grandes gueules d'Adafo Média, seule émission dans l'histoire de la radio en Guinée à franchir le cap des 5 millions d'auditeurs. À Boké, Cancan, Labé sur Radio Espace Région. À Kindia sur Kanyazik. En forêt sur Sahali FM. Meilleure émission talk show panafricaine sur le continent jamais éditée dans la sous-région. Bienvenue chez les GG. Ici, on ne prend pas de gants. Sur Radio Espace. Tous les soirs, vous avez rendez-vous avec cette équipe, avec cette émission à 18h en prime, en rediffusion dans la zone spéciale de Conakry sur 99.3 en modulation de fréquence. Vous nous regardez à la télévision à Cancan. Tous les soirs, vous avez rendez-vous avec cette émission à 22h37. Vous êtes aussi du côté de Takoura, ici également dans Cancan. Vous le voyez à l'écran, notre invité, M. Bouré-Makone, donc ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, la nouvelle CENI guinéenne qui prend forme. Dans un décret pris hier et diffusé sur les médias d'État, le président de la République a nommé 10 commissaires sur les 17 que doit compter cette CENI. Il s'agit des 7 de la majorité présidentielle, les 2 de la société civile et l'unique représentant de l'administration. Comme on le voit, il manque à l'appel les 7 représentants de l'opposition qui peinent à s'entendre sur une clé de répartition du quota à elle attribué. On en parle avec notre invité. Sur quels critères les nouveaux commissaires de la CENI sont-ils choisis? Comment départager les partis de l'opposition? Que dit la loi en la matière? Quand l'entrée en fonction de la nouvelle CENI? Et on ne va pas se louper là-dessus. On dira forcément un mot sur l'imbroglio de Matoto, puisqu'on a l'occasion donc de poser la question directement à qui de droit. Les productions Tigane World Music, fidèles à leur credo, celui d'offrir au public mélomane de Guinée les grosses pointures et qui brillent donc dans le firmament de la world music pour ouvrir le bal de la nouvelle année, le rappeur français à succès, Caris, qui donc va livrer un double concert ce week-end à Conakry. Vous continuez à réagir sur nos différentes plateformes. On va s'occuper de vos réactions un peu plus tard. GG au 87 657 39 13 13, ou sur le www.espacefmguinée.info, ou sur le hashtag espace GG. Et donc dans la deuxième partie, vos réactions dans cette émission. On accueille notre invité, monsieur le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. Bonjour. Bonjour monsieur. Merci de répondre à notre invitation. C'est une première. Mais on ne vous a jamais entendu ou reçu dans cette émission. C'est peut-être aujourd'hui que l'occasion s'offre à nous, à vous et à moi. Bien. Il est toujours mieux ainsi, mieux vaut tard que jamais. Allez-y, mon maître. Première question. D'abord, sur la nouvelle CENI. Justement, alors, monsieur le ministre, le décret est tombé finalement, mais nous n'avons qu'une composition encore assez partielle de la CENI. Dites-nous-en les raisons. Bien. La nouvelle CENI, comme vous le dites, a été connue partiellement hier par un décret de monsieur le président de la République. Ceci rentre dans la logique de la loi organique 044, n'est-ce pas, de l'Assemblée nationale, qui met en place les dispositions pouvant aboutir à la mise en place de la nouvelle CENI. Et comme vous le savez, par la loi 016 du CNT, c'était en 2012, il a été créé, organisé et procédé à la prise de mesures de fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante. Cette loi prêchait par défaut en certains endroits toutes choses qui ont amené les partis politiques guinéens à se fixer comme objectif de la revoir fondamentalement en vue de l'adapter à une meilleure forme de fonctionnement selon leur entendement. Oui. Ceci donc était un des points nodaux du dialogue politique national que j'ai eu l'honneur de présider. Et donc, la modification de cette loi, la 016 de l'an 2012, est arrivée. Et d'abord, un des points principaux, c'est qu'il fallait réduire le nombre de commissaires. Cette réduction a été faite donc de 25 commissaires par le passé. On est venu à 12. 12 commissaires à 17, excusez-moi. À 17 plutôt. Ouais. 17 commissaires répartis comme suit. La mouvance, 7 commissaires. L'opposition, 7 commissaires. La société civile, 2.
L'administration territoriale, un commissaire, vous descendez les chiffres, cela vous donne 17 commissaires. D'accord. On a constaté à l'entame de la question de Marat qu'il y a 10 commissaires qui ont été nommés partiellement. Les 7 autres, l'opposition doit les choisir. Mais on constate une certaine incompréhension au sein de l'opposition. Est-ce que vous la comprenez aussi? Forcément que je dois comprendre. Chaque fois qu'il est question de partager, ouais. Nous ne nous leurrons pas. Avant que les angles ne se rejoignent, il y a toujours de l'incompréhension. Mais il lui a fait un règlement de... Mais que s'est-il passé au juste? Parce que les critères, quand même, au terme de l'acte de la présente loi, c'est important de revenir sur les critères. Oui. Justement. Les critères sont clairs, mais les critères sont clairs pour ce qui est de la qualité des commissaires, mais les critères quantitatifs n'ont jamais été dits. 7 pour la mouvance, 7 pour l'opposition, 2 pour la société civile et 1 pour l'administration territoriale. Voilà le quantitatif, mais par bloc politique ou par structure de la société civile et de l'administration territoriale. Donc, maintenant, à l'intérieur des blocs, il s'agit d'un jeu entre les différentes parties concernées. La loi était claire. Chaque mouvance, c'est-à-dire que ce soit l'opposition, que ce soit la majorité présidentielle, doit avoir au moins 3 partis, n'est-ce pas, présents dans la composition de la CENI. Alors, quand les décomptes ont été faits, parce que des critères étaient là... Il faut rappeler pour nos auditeurs... Premier critère... Non, c'est une précision pour nos auditeurs qui n'ont pas lu le texte, que la loi, la présente loi sur la CENI, dit qu'il faut être un parti intra-parlementaire et disposer d'au moins 2 députés à l'hémicycle. Ça, c'est les critères, on l'a vu. Voilà. On n'était pas là encore. Parce que vous avez posé une question sur les critères, je crois que vous m'auriez compris. Allez-y. Alors, il faut avoir 2 députés, au moins, à l'Assemblée nationale. Deuxièmement, il faudrait que le parti ait été présent dans les 2 élections nationales précédant la mise en place de la CENI. Il s'agit en l'occurrence de la dernière élection présidentielle, celle de 2015, et de la dernière élection législative, celle de 2013. Okay. Voilà les critères. Bien. Alors, on a écouté l'opposition hier, parce que je pense qu'on vous a fait parvenir une liste de 8 au lieu de 7. Alors, si j'ai entendu des gens dire que le ministre détient les textes, il sait comment les calculs devraient se faire, alors on va lui déposer. Et en tout cas, la liste, il va trancher. Ça chope entre l'UFR et l'UFDG. C'est l'UFDG réclame 5 commissaires, alors que l'UFR a déjà déposé une liste de 2. Il ne revient pas au ministre de l'administration du territoire de trancher. Parce que dans la loi, rien n'indique que je dois désigner qui doit avoir 2 ou qui doit avoir 1 au sein, n'est-ce pas, de ce groupe. Non, cela n'est nulle part indiqué. La loi ne vous confère pas ce droit. La loi ne me confère pas ce droit. Alors, quand on fait la comparaison, parce qu'on sait qu'au niveau de la mouvance présidentielle, il y a moins de soucis, il y a un parti et puis il y a des partis alliés. Mais est-ce qu'on tient compte, est-ce que dans le choix qui est fait, on tient compte de la force ou de la représentativité d'un parti politique, par exemple? Parce que si l'UFDG est allé jusqu'à réclamer 5 commissaires pour la CENI, je pense qu'elle s'est dit quel est le parti le plus fort de l'opposition. Eh bien, je crois que c'est vous qui le dites. Si l'UFDG dit que c'est en fonction de son poids que la 5, l'UFR, je ne sais pas combien ils lui ont l'UFDG donné. L'UFDG parle même de 5,53. Hein. 5,53 et 1,14 pour l'UFR. Encore qu'il reste à savoir les parties décimales dans la désignation des personnes humaines, ce que ça doit donner. Ça, c'est un autre calcul dans lequel je ne me fourvoie pas. Mais ce que je voudrais préciser, c'est que nous avons écrit à monsieur le chef de file de l'opposition pour qu'il nous envoie la liste des 7 commissaires de l'opposition. Nous avons écrit à la mouvance: envoyez-nous la liste des 7 commissaires. Nous avons écrit à la société civile. Et à notre niveau, nous avons désigné notre représentant. Bien. La société civile, la mouvance, n'avons reçu aucun couac. Il n'y a pas eu de problème. L'opposition est venue en rang dispersé. En rang dispersé, comment? Monsieur le chef de file de l'opposition nous a écrit: nous avons 5 commissaires de l'UFDG, un commissaire du PDN, le troisième parti
qui doit être dans la composition de la liste de l'opposition a cru bon ne pas s'adresser à nous et nous a répondu, nous avons envoyé notre liste à qui de droit ? Effectif, l'UFR nous a fait venir une liste de deux éléments. Ce n'est pas à moi de recevoir deux, ou de recevoir cinq, ou de recevoir trois, je reçois sept. Nous avons renvoyé une lettre à monsieur le chef de file de l'opposition. Donnez-nous la liste de sept. Et c'est cette liste que nous attendons. Donc, il revient à l'eau de trancher. Absolument. Bien. Parce que l'opposition a, je crois, 45 jours pour se décider. Ah oui, oui. Ça, et c'est des dispositions de la loi. À l'issue du délai, qu'est-ce qui va se passer finalement si l'opposition n'arrive pas à se décider? Je souhaite que l'opposition se décide. Non, bien avant même. Bien avant même, dites-nous ce matin que bien avant, en attendant que l'opposition s'entende sur une clé de répartition, que la CENI, dans sa composition partielle, peut déjà commencer à travailler. Absolument. Ça aussi, c'est des dispositions de la loi. L'article 7 de la dite loi précise très bien. D'abord, moi, j'écris, une fois que la loi est promulguée, donc son applicabilité mise en œuvre, j'envoie un courrier aux différentes parties prenantes à la CENI pour lui déposer moi vos listes. Et cette lettre, je l'ai envoyée le 24 décembre en précisant que le délai de rigueur pour la réception, c'était le 2 janvier. J'avoue que je l'ai reçu pour l'opposition que le 8 janvier, ce qui était déjà un dépassement. Pour l'UFR, j'ai reçu seulement le 7. Quant à la CENI et à la mouvance, je les ai reçus dans les délais requis. Bien. Donc, la loi précise, en article 7 de la loi précise, que la non-fourniture de la liste d'une des parties n'est pas un handicap pour l'installation de la CENI, n'est pas non plus un handicap pour que la CENI, n'est-ce pas, fonctionne. Bien. Cela est clair. Toutefois, dès l'instant que ceux-là qui ne sont pas encore en règle le sont, c'est-à-dire les listes sont trouvées, il n'y a pas de problème, immédiatement un décret de rajout est pris immédiatement. Bien. Pour que, évidemment, la nouvelle liste intègre. Bien. La liste de la CENI. Donc, on a compris pour le moment, pour le départ, c'est que la non-fourniture de la liste des représentants de l'opposition n'empêche pas l'entrée en fonction de la nouvelle CENI. Et c'est sur cela qu'on va marquer une pause pour revenir avec notre invité, M. Boulé Makonde, ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. On marque une pause pour nos conseils achats. On revient pour poursuivre cette interview avec notre invité. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.